Toujours en Afrique de l'Ouest, la majestueuse ville historique de Tombouctou au Mali retrouve un peu de sa superbe. Plus de 3 ans après la destruction de ses mausolées par les djihadistes Touareg d'Ansardine, ces édifices légendaires reconstruits à l'identique ont été officiellement présentés hier jeudi. La longue réhabilitation a eu lieu au cours d'une cérémonie de sacrifice rituel de 5 bœufs et la lecture intégrale du Coran ainsi qu'une prière collective dans la mosquée de Djingareber. La cérémonie s'est conclue par la remise des clés aux familles en charge des sanctuaires. La reconstruction des mausolées de Tombouctou a été soutenue par l'UNESCO. C'est cette organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui a conduit le projet. Mais le résultat final de ces reconstructions est surtout dû au savoir-faire traditionnel des maçons de Tombouctou ainsi qu'à l'utilisation de matériaux locaux. Les habitants de Tombouctou vouent un grand respect à ces mausolées qui abritent leurs saints décédés. Pour Sané Chiffry, représentant de la famille responsable du mausolée Alpha Moya, l'un des tout premiers qui a été vandalisé, eh bien cette reconstruction est un symbole fort pour la paix. C'est un symbole fort pour la paix parce que les mausolées sont en fait des symboles de rassemblement, des symboles de regroupement. Parce que si vous voyez les saints de Tombouctou, il y en a de toutes les ethnies. Il y a des saints qui sont autochtones, mais des saints qui viennent d'autres contrées. Des Arabes, des Kuntas, des Bambara et tout, tout, tout. Ce jour révèle votre volonté, vous, les communautés de Tombouctou, vous, les leaders religieux, vous, les sages de Tombouctou, de résister contre toutes formes d'extrémisme violent et prouve encore une fois que la culture est un véritable facteur de paix et de cohésion sociale. Les biens qui ont été détruits n'appartiennent pas seulement qu'à Tombouctou ou qu'aux Maliens. Ils sont classés patrimoine mondial depuis 1988. Ils appartiennent à l'ensemble du monde, au monde entier, à tout le monde. Si des personnes attentent à ces biens, détruisent ces biens, saccagent ces biens, c'est un patrimoine mondial qui a été détruit. Alors qu'ils soient punis à ce niveau-là, c'est tout à fait normal pour que demain, d'autres personnes ne soient pas tentées de faire la même chose.